crapauds poussés. Toi seul peux les comprendre. Ils te guideront jusqu'aux rayons enchantés. Et grâce à eux, tu trouveras la vallée des crapauds. Des journées aussi lugubres, franchement, on s'en passerait. Ce chêne foudroyé, c'est peut-être où se trouve la vallée des crapauds. Oh, il va se mettre à pleuvoir. À défaut d'autre chose. Poussez-vous devant! Attention! Soyez prudents! Le premier au pied du grand chêne a gagné! Vous n'avez aucune chance. Plus vite! On les rattrape! Tu vois que c'est nous qui allons gagner! Suivez-moi! Oh, c'est moi qui ai gagné, c'est moi le vainqueur. C'est moi qui suis arrivé le premier au pied de... Crapousset, où es-tu? Tu n'as rien de cassé? Venez, il est là. Pourquoi tu ne dis rien? Tu nous as pas entendu quand... T'as vu tous ces champignons de pierre? Oh oui, je les vois. Oh, ça me fait froid dans le dos. Des centaines de crapounets qui n'ont pas trouvé le rayon enchanté. Comme c'est affreux. Ce sont vraiment des buissons cauchemars. Crapousset, il faut que tu consultes un grand chêne. Rapide la consultation et ensuite on décampe. Demande-lui aussi s'il va se mettre à pleuvoir. Bien sûr qu'il va se mettre à pleuvoir. Tu vois, hein? Qu'est-ce que je disais? Hé, hey, une seconde, j'ai entendu... Normalement, je devrais pas entendre. Oh, Ménestrel! Salut, la compagnie! Quelle bonne surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, eh bien, je suis venue voir des amis. Oh, Ménestrel! C'est là que le drame a eu lieu, n'est-ce pas? Nous étions si nombreux. Dire qu'on voyait la lumière du rayon enchanté juste là au bout. Elle faiblissait de plus en plus. On courait aussi vite qu'on le pouvait. Soudain, tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, il n'y avait plus autour de moi que des champignons de pierre. Et une année avait passé. J'en ai déduit que moi aussi j'étais champignon. De temps à autre, je viens ici voir mes amis. Mais personne ne me fera retourner là-dedans. Personne. Fierabras les appelle des buissons cauchemars. Bien trouvé. Tu ferais mieux de consulter le grand chêne. On dirait que le temps se gâte. J'entends à peine ce qu'il me dit. Il dit que son heure est bientôt venue. Ce qui signifie qu'il est vieux et qu'il n'en a plus pour longtemps. Il dit de continuer à avancer tout droit et qu'il faudra suivre le chemin que seuls les oiseaux peuvent emprunter. Aller tout droit, ça veut dire passer à travers? Oh non! Je propose qu'on fasse le tour. Oh, je suis d'accord. Oh, quel peureux! Venez, ce sera plus rapide. Et puis, que voulez-vous qu'il nous arrive? Vaudrait peut-être mieux faire le tour, en fin de compte. Tiens, attrape! Tu veux un coup de main? Dis tout de suite que je suis lourd! Au lieu de rester seul, accompagne-nous. Oh oui, c'est une bonne idée. Non, merci, je vais rester ici. Encore un peu. En route, crapounet. On fait le tour et que ça saute. Au revoir, Ménestrel. Au revoir, Fleur Bleue. Un de ces jours. Au revoir, Prudence. Au revoir, Ménestrel. Laisse-moi deviner, il est amoureux de toi.
plus vite, nous avons couru. Mais le rayon enchanté avait disparu. Nos amis sont devenus, à quel désespoir, champignons de pierre dans le buisson, cauchemar. Le grand chêne avec ses indices nous a indiqué la bonne piste. Le rayon enchanté là-bas n'attend vraiment que toi et moi. Oh! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Y a un problème. On nous a bien dit de toujours aller tout droit. Exact. Et on doit suivre le chemin que seuls les oiseaux peuvent emprunter. Et à moi d'être un oiseau, je vois pas comment traverser ce précipice. Alors, où il est le chemin promis? Bonjour, les crapounets. C'est le patriarche, non? Ouah, oui, il est là. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait là, en bas? Hé, patriarche, que faites-vous au bout de cette corde? Je cherche des crapoglyphes et des gravés par les anciens sur la roche. Vous en avez trouvé? Non, pas encore. Hein? Hein? Quoi? La corde du patriarche, elle va céder, il va tomber. Patriarche, vous allez tomber. Prenez la corde. Attention. Il est trop lourd. Du nerf, tirez. Patriarche. Je suis là. Pouvez-vous remonter tout seul? Non, la paroi est beaucoup trop glissante. Il va falloir que vous alliez chercher du renfort. Ménestrel, il est fort. Je vais le chercher. Non, j'ai besoin de l'aide des plus grands. Laisse un petit y aller. Moi, je peux. Je vais me dépêcher, vous allez voir. Où est-ce que Crapousset court comme ça? Cherchez Ménestrel. Il ne va pas y aller tout seul, c'est loin. C'est un risque que nous devons prendre. Mais nous ne savons pas parler aux arbres. Si jamais il lui arrive malheur, nous sommes tous perdus. C'est vrai, je suis désolée. J'avais pas pensé à ça. Va avec lui. Je savais qu'elle trouverait une combine pour rejoindre Ménestrel. Oh. Plus ça va, et plus je me dis que c'est une journée pourrie. Crapousset! Crapousset! Je suis là! Je ne veux pas traverser les buissons. Je n'y tiens pas spécialement non plus. Mais on irait plus vite par là, non? Beaucoup plus vite. Est-ce que tu as peur? Qui, moi? Non, ne t'inquiète pas. On ne craint absolument rien ici. Non! C'était un petit éclair de rien du tout. Je sais bien. Ah! Ah! Entendu. Vite, cachons-nous. Il y a quelqu'un avec nous, j'en suis sûre. Pourtant, je ne vois rien. Oh, 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 il faut qu'on arrête de se faire des frayeurs tous les deux. Hop là. Tu viens? Dis prudence, j'aime pas avoir peur. Dis-toi bien qu'on a tous peur de quelque chose. J'ai peur qu'on ne parvienne pas à trouver le rayon à temps. Et j'ai peur que ce soit de ma faute. De ta faute? Imagine que je comprenne de travers ce que disent les grands chênes et qu'on parte tous dans la mauvaise direction. On deviendra des champignons. Pareil à ceux-là. Oh, Crapoussinet! Allons, écoute-moi. Tu fais de ton mieux et je trouve que c'est déjà beaucoup. Personne ne ferait mieux que toi. Ah ouais, tu crois? Que l'on trouve ou non la vallée des crapauds, sache que nous sommes tous très fiers de toi. Oh, c'est vrai? Oui, c'est vrai.
assez costaud la branche. Alors attachons-la à un tronc. Pas assez longue la corde. Bon, allez, ouais, il nous faut plus de cordes. Toi, surveille le patriarche avec Fleur Bleue. Quant à nous, on s'active, hein. Tu crois qu'on peut s'asseoir? Pas assez sec le sol. Oh, que vois-je? Des crapoglyphes! Enfin! T'as dit que tout le monde avait peur de quelque chose, toi aussi? J'ai dit ça? Bon, d'accord. Il y a tellement de dangers dans la forêt, j'ai peur qu'il arrive malheur à l'un de vous et qu'on n'atteigne pas la vallée des crapauds. Oh, c'est pour ça que tu nous casses les pieds sans arrêt avec tes conseils de prudence. Pourquoi crois-tu que je porte ce prénom? C'est idiot, hein, d'avoir peur des choses qui ne vous arriveront peut-être jamais. Non, c'est gentil. À mon avis, nous devrions aller de ce côté. Oh, mais Ménestrel est de l'autre. Chut, je crois que quelqu'un nous suit. C'est quoi ces grosses bêtes? Je ne tiens pas à le savoir. Sauf qui peut. Crapousset, tu vas bien? C'est bon, oui, ça va. Fantastique! Qu'y a-t-il? Le temple des Buffonidés. D'après ses écritures, il se situerait près d'un marécage. Alors, vous êtes content? Je suis euphorique. Maintenant, je sais où chercher. Super! La prochaine fois, faudra le sortir d'un marécage. Ah, j'ai tout entendu. Espérons que les renforts arrivent bientôt. Oh, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous nous posons la même question. Et à votre sujet? Dites-nous ce que vous êtes venus faire ici. Eh bien, voilà, nous sommes venus chercher un ami. Il s'appelle Ménestrel. Ménestrel? Ne serait-ce pas... Le pousseur de chansonnettes. Celui qui vient ici souvent? C'est lui. Peut-on sortir de ce trou? Alors, moi, c'est Crapousset. Et voici Prudence, ma grande sœur. Nous, c'est Rémus et Romulus. Et cet endroit est notre maison. Et nous sommes frères. Vous habitez ici? C'est tellement agréable d'avoir un endroit aussi sombre et aussi sinistre. On ne peut pas rêver meilleur habitat. Ménestrel est sur une branche du grand chêne. Il faut qu'on aille le retrouver. Oh, le grand chêne est souvent... frappé par la foudre. Vraiment très dangereux par tant d'orages. Oh non, il faut aller le prévenir. Accordé. Nous connaissons le chemin. Suivez-nous. On a une corde plus longue, accrochez-vous. À quoi voulez-vous que je m'accroche? Et de un, terminé. Le gauche par-dessus, puis le droit dans la boucle. Et de deux, terminé. Voilà. Et de trois, attache le bout à l'arbre. Crapounet! Oh, 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 oh. Bah, il tombe! Au secours! Oh non! On n'arrivera jamais à le retenir. Il le faudra bien. En arrière. Oïs. Oh non. On ne tiendra pas longtemps. Boulot, on a besoin de toi. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Ciboulot a attaché la corde à l'arbre, tout simplement. Patriarche, tout va bien?
Oui, je suis toujours là. On se demande comment, d'ailleurs. Ça veut dire que mon frère jumeau lui a sauvé la vie. Mais on n'est pas plus avancé. Oh, tiens, le voilà. Oh, Ménestrel, descends de l'arbre. Oh, Prudence. Ménestrel. Bonjour, Prudence. Je savais que tu reviendrais me voir. Descends de là tout de suite. Vous voulez que je quoi? Descends de cet arbre. Tombe encore. Une fois sur le grand chêne, il pourrait s'effondrer. Ménestrel! Ménestrel! Ah, ça me fait plaisir de te revoir. Tout à l'heure, qu'essayais-tu de me dire? Prudence te demandait de te méfier de la foudre et de descendre de l'arbre. Oh bon, puisque vous insistez, je vais descendre. Ça y est, tu n'es plus dans l'arbre. Oh, bah oui, j'avais pas vu. C'est pour me sauver que tu as fait tout ce chemin? Oh, douce et loyale Prudence, je te serai éternellement dévouée. Oh, ben, il manque plus que les violons. Le patriarche a de gros ennuis, nous sommes venus jusque-là te demander de l'aide. Des ennuis? Allons-y, c'est par où? De l'autre côté des buissons cauchemars. De l'autre côté de... Non, sans façon. Nous n'avons pas le choix, le temps presse, tu dois venir. Moi aussi j'avais peur au début, mais Prudence m'a aidé à surmonter mes peurs. Tu as juré à... La douce et loyale Prudence. Un dévouement éternel. Après toi. Les autres ne sont toujours pas revenus. Je suis bien parti pour passer le restant de mes jours ici. J'y suis arrivé. Merci. Venez avec nous. On aurait bien besoin de bras supplémentaires. Impossible. Nous n'avons jamais quitté la maison. Et on est très bien comme ça. Ces deux-là ont aussi peur de sortir de leur trou que nous, nous avons peur d'y entrer. Tu as vraiment eu une idée de génie tout à l'heure, le jumeau. Ciboulot. J'ai pas réfléchi. J'ai foncé, c'est tout. Ah ouais. Tu devrais peut-être t'abstenir de réfléchir dorénavant. Ciboulot, Boniface. Les revoilà. Enfin. Et Ménestrel est avec eux. Ils sont là. Ils sont revenus. Oh. On ne va pas tarder à vous remonter. Juste au moment où je commençais à me plaire ici. Hé, patriarche, vous auriez pas pu aller vous faire pendre ailleurs? Serre-toi de tes muscles, Ménestrel. Ça vaudrait mieux que de faire de mauvais jeux de mots. Vous y êtes? En place. Attention, du nerf. On devrait peut-être le laisser où il est jusqu'à ce qu'il perde un peu de poids. À toi l'honneur de faire le compte à rebours. 3, 2, 1, tirez. À ce rythme, on est encore là demain. Des amis à toi? Ah oui, attends. Patriarche, vous voilà sauvé. Je suis content de retrouver la terre ferme. Merci, Crapounet. Je remercie tout le monde, car je vous dois une... Regardez, la foudre tombe sur l'arbre. Crapounet,
Où êtes-vous? Là, je suis là. On est sain et sauf. Où est Boniface? Et la fête continue. Super, tout le monde est là. Juste ciel, on a tous été épargnés. Regardez. Maintenant, on peut traverser. Et vous suivrez le chemin que seuls les oiseaux peuvent emprunter. Le grand chêne l'avait prévu. Il nous indique le chemin. Ménestrel, si tu veux venir, tu es le bienvenu. Merci, mais Rémus et Romulus vont avoir besoin d'un sérieux coup de main. Cet orage a saccagé leur habitat. Oh, nous allons nous reconstruire une... maison toute neuve. Délicieusement lugubre. Encore merci, Crapounet, et soyez prudents. Petite patrouille, en avant, marche. Ah, tout n'est pas perdu, la pluie s'est arrêtée. Oui, et les grands chênes sont là pour nous guider. On n'est quand même pas à plaindre. Ouais, et Ciboulot a sauvé la vie du patriarche. Et aussi Ménestrel a fait le joli cœur devant la douce prudence. Et le patriarche a trouvé des crapoglyphes. Et puis on s'est fait de nouveaux amis. Et j'ai plus aussi peur qu'avant. Finalement, la journée n'a pas été si pourrie que ça.